Et nous sortons de Reims après un dernier regard à la cathédrale sur toutes ses coutures par le canal de la Marne à l'Aisne. Quelques vues intéressantes sur l'autoroute, les grandes routes, la voie ferrée et nous nous faufilons sur les petites routes dans la Champagne pour finalement longer le canal à nouveau, les petites routes désertes, parc de la forêt d'Orient et le fameux lac de la forêt d'Orient, lac artificiel. Et le canal, le lac, le voici. Peu de monde, quelques touristes ici. Nous rentrons dans la forêt d'Orient, nous nous enfilons. Eh bien, filons-nous. Quelques cyclos, la plage. Bronzette. Nous tangentons quelques villages. Les panneaux sont bien là, la vélovoie des lacs. Encore dans la forêt. Quelques cyclos, très peu, Lusigny-sur-Barse. Et nous approchons de Troyes, ici, l'Audio, Felguignol, Troyes, en pleine rénovation. Les modes doux seront-ils privilégiés? Troyes a accueilli le Tour de France. Est-ce un bon signe pour les modes doux? Une piste cyclable dans Troyes. Nous essayons de trouver la piste cyclable de la Seine. Nous la trouvons après quelques circonvolutions. Un cyclo de Haute-Savoie que nous rencontrons subrepticement. Bonne route. Et Claudio reprend le train direction Paris. À vous Cognac G, à vous les studios.